laisse-moi, sans me laisser, je vais gérer pas. Ils sont proches l'un de l'autre. Il la caresse partout. C'est toi que je... Partout. Hé, hey, tonton, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fout, ton marabout, là? Apana, Apana. Il est en train de travailler. Fais-lui confiance. Appelez Odette Bensensein. J'ai jamais senti ton gars. Appelez Odette Bensensein. Tout ce qui nous arrive là, c'est que des coïncidences, quoi. On n'humilie pas les marabouts, Richard. C'est l'histoire de Rose et Richard, un riche couple qui décide de faire appel à un marabout afin de répondre à leurs différentes difficultés. Mais lorsque ce charismatique marabout et manipulateur s'invite dans leur quotidien, alors leur destin prend un autre tournant. Dans ce rendez-vous de C'est-à-dire aujourd'hui, nous parlerons des contours de la réalisation de ce film et ce avec M. Louis Marquez, qui est co-réalisateur du dit film. Bonjour, Monsieur Louis Marquez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Marabout Chéri fait salle comble en ce moment. Dites-nous, en tant que réalisateur, comment vous vivez cette réussite? Ça, c'est le rêve de tous les cinéastes. Hein. Quand on fait des films de cinéma, c'est pas comme pour la télévision, on sait pas qui regarde ou quoi, mais au cinéma, c'est les gens qui vont se déplacer et payer leur place. C'est vraiment qu'ils sont attirés, quelque chose vraiment les attire. Et si on voit comme on est là, on est sold out jusqu'à hier soir encore. Je ne sais pas aujourd'hui, mais je pense que jusque-là, ça fait plus d'une semaine maintenant, on rentre dans la deuxième semaine, et toutes les salles sont pleines, super pleines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez prendre votre ticket, c'est pour demain ou après-demain. Donc c'est le bonheur absolu pour nous tous, évidemment, c'est le rêve. Est-ce qu'on se dit que c'est normal, c'est M. Luis Marquez, là, le succès me connaît ou bien c'est le travail juste acharné? Non, le succès ne nous connaît pas. Le succès ne connaît personne. Le succès, il ne connaît que le travail. Et on ne peut jamais savoir. Justement, la première à laquelle vous avez assisté, moi, je tremblais comme ça. Parce que je ne sais jamais. Moi, j'ai l'impression d'avoir bien fait. On a l'impression d'avoir bien fait. On a co-réalisé avec Caddy. Mais là, vous me demandez mon avis personnel à moi. Moi, j'avais très peur parce que j'ai l'impression qu'on a bien fait, mais tant que le public n'a pas vu en réel la salle, tant que vous n'avez pas la réaction de la salle, vous ne pouvez pas savoir si le film va marcher ou pas. C'est ça la part d'irrationnel de notre métier. Vous maîtrisez bien l'environnement socio-culturel ivoirien puisque vous y vivez depuis plus de 30 ans. Alors dites-nous, comment on arrive à mettre en scène un film qui porte un regard critique sur les traditions et les cultures sous nos cieux sans toutefois heurter la sensibilité des téléspectateurs? Bien au contraire, ça leur procure un fou rire. Oui. On parle ici de maraboutage, de corruption. Oui, c'est ça. On parle de faits de société que tout le monde ici connaît ou a connu ou a traversé ou connaît des gens qui, tout le monde plus ou moins à un moment donné dans sa vie, a fait appel à un marabout d'une façon ou d'une autre. Donc comment on fait pour en parler? Vous avez la réponse dans la question, c'est l'humour. L'humour, c'est une arme redoutable pour dire des choses extrêmement sérieuses d'une façon extrêmement agréable. Et donc, je crois que c'est l'humour et c'est la grande idée de Caddy. C'était définitivement une comédie, mais une comédie qui parle de ce phénomène de société hein, qui aujourd'hui se développe. C'est plus les marabouts à l'ancienne qui font des géomancies. Maintenant, on a des marabouts 2.0 sur le net, des nouveaux marabouts extrêmement élégants, sexy et très très modernes. Donc, on a une nouvelle génération de marabouts là qui arrive. Et puis, parmi eux, comme toujours, une bonne part d'escrocs. Hein, qui sont difficiles à terminer. Donc c'est l'humour en fait, la réponse là. C'est par l'humour qu'on peut dire ces choses. Très bien. Et dans quelles conditions vous réalisez ce film? Dans quelles conditions? Quels sont les défis majeurs auxquels vous avez été confrontés? Les défis majeurs, c'est toujours, d'abord les financements, ça c'est récurrent, on va toujours vous dire ça. On a réussi quand même, on a commencé à tourner le film, en fait on n'avait pas la fin du financement, pour vous dire tout à fait la vérité. Mais on a la chance d'avoir deux super producteurs, Caddy Touré elle-même, qui est productrice, et puis Axel Guyot de Black Armada, qui est le coproducteur français, ce qui nous permettait d'avoir des fonds notamment de l'OIF et du fonds SIC, qu'on remercie vraiment... énormément. C'était le premier appui financier concret qu'on a eu sur ce projet-là. C'était ivoirien, c'était le FONSIC avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et après, d'autres ont suivi. Mais c'est toujours ça le défi. D'abord, c'est le montage financier. L'autre défi aussi, peut-être sur ce film-là, c'était qu'on avait peu de temps pour tourner. Parce que Caddy Touré est extrêmement prise, Cheikh Ivan aussi. Et donc, on avait un créneau qui était leur période de vacances, en réalité, pour finir le film. Donc, c'est vrai qu'on a dû compresser un petit peu les choses et tourner assez vite en pleine saison des pluies, de surcroît. Voilà les petites difficultés. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Mais dans la co-réalisation du film avec Caddy Touré, la collaboration est archi réussie. Dites-moi, comment on fait pour justement mutualiser
fusionner deux, je n'ai pas envie de dire deux grosses têtes, mais deux grandes têtes, justement, pour une collaboration réussie. Non, alors moi, je ne suis pas une grande tête, hein, peut-être Kadi, mais moi, je suis tout petit à côté. Non, ça a été très, très facile. Pourquoi ? Parce qu'on s'est choisi, en fait. On avait tourné un film ensemble, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans, on avait tourné un film qui s'appelle Wozo, qui était une coproduction avec Haïti, un film comme ça très... très sérieux, où elle jouait en anglais et en français. Et je l'avais castée, elle avait fait un casting parmi beaucoup d'autres actrices, et elle était juste absolument merveilleuse. Elle n'avait même pas l'âge du rôle, elle était beaucoup trop jeune. Mais elle était tellement géniale qu'on a rajeuni le rôle pour elle. Et elle a fait ce rôle, je l'ai dirigé à ce moment-là, parce que je dirigeais, le réalisateur lui-même jouait, donc il y avait des scènes où je devais les diriger. Et là, j'ai eu le bonheur de diriger Kadi, et Kadi, c'est vraiment une actrice exceptionnelle, je le dis, exceptionnelle, c'est un piano. Elle peut aller dans les émotions les plus fortes, du plus sérieux au plus drôle. Et donc on se connaissait, et elle m'a choisi aussi, c'est elle qui m'a proposé le film. Elle s'est dit, comme moi je vais jouer, je ne peux pas être à la fois à la caméra et sur le plateau, donc j'aimerais avoir un co-réalisateur, et donc elle m'a fait appel. Donc on s'est choisi, c'était pas, on ne nous a pas imposé l'un à l'autre, on s'est choisi tous les deux, et on a travaillé avec une facilité folle. C'est clair, on comprend très bien qu'il y a eu une symbiose totale, ouais. Mais dites-nous, qu'est-ce qui est plus facile finalement de travailler seul ou de travailler en symbiose justement avec une personne avec qui on matche bien? De toute façon, la réalisation de cinéma, c'est un travail collectif. Hein. Alors oui, c'est vrai, il y a des réalisateurs qui veulent absolument tout diriger, etc., mais pas moi. Moi, je pense que plusieurs cerveaux réfléchissent mieux qu'un seul, et surtout un cerveau comme celui de Kadi, je peux vous dire que c'est un bonheur de travailler avec. Et donc, on a travaillé très facilement. Moi, je suis très confortable à faire de la co-réalisation. Ça soulage de pas mal de choses, ça rassure dans les décisions qu'on doit prendre. Des fois, on doit trancher, hein, ce décor ne marche pas, il en faut un autre. Et d'être à deux, bah, ça conforte. Si tous les deux, on est d'accord, on a plus de chances que c'était la bonne idée. Le financement est très souvent un obstacle dans l'industrie cinématographique. Dites-nous, quels sont les critères que les bailleurs de fonds évaluent pour justement accompagner un projet cinématographique? Ah, ça, c'est une grande question. Il y a deux grandes tendances, entre guillemets, je ne sais pas si le mot est juste, mais il y a une part de financement des films d'auteur. Ce qu'on appelle les films d'auteur sont les films qui sont des films à sujet fort, qui sont des films complexes, ce sont des films profonds, ce sont des films qu'on envoie à Cannes et dans les grands festivals. Et donc, il y a beaucoup de commissions internationales, et la plupart des commissions internationales soutiennent les films d'auteur. Hein, ce sont des films qui font avancer le cinéma, qui font avancer peut-être aussi des causes importantes, etc. Et donc, la plupart des financements vont vers ces films-là. Le problème de ces films-là, c'est qu'ils sont très prestigieux, très beaux, ils font le tour des festivals et gagnent des prix et amènent beaucoup d'honneur et de prestige, mais ne fonctionnent que très rarement en salle. Or, nous, ici en Afrique, on veut relancer le cinéma en tant que cinéma. Je parle de cinéma avec des sièges et on s'assoit tous ensemble pour passer un moment agréable. Et on est en train de reconstruire, comme vous savez très bien, des salles en Afrique. Canal Olympia en a fait pas mal. On est dans 12 pays actuellement. On est sorti dans 12 pays en même temps. Mais il y a d'autres, évidemment, salles privées. Et donc, nous, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, les actrices, on doit fournir des films que les gens ont envie d'aller voir. Et ce n'est pas toujours ces films-là. Et oui, les gens ont envie de se reconnaître dans des films, ils ont envie de se distraire, ils ont envie de rire. La vie est quand même suffisamment dure. On a un énorme succès au Burkina en ce moment, par exemple. Ben, je pense que c'est aussi lié au fait que les gens, comme la situation est vraiment terrible et difficile, et ben, les gens, ils ont besoin de s'échapper, ils ont besoin d'un moment de bonheur et de rire tous ensemble. Et on va dire aussi que les problèmes ne finissent jamais. Bref, si jamais. Donc ça veut dire que ces financements-là, qui sont les plus importants, vont à des films d'auteur et rarement à des comédies. Et nous, on est en train de démontrer petit à petit que vous devez aussi soutenir ce genre de films parce que le public aime ça. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons films. On peut faire des très très bons films qui sont des comédies et qui remplissent les salles. Moi, c'est notre choix. Et qui donnent aussi des leçons. Et en même temps, qui porte un message tout à fait qu'on peut faire passer par l'humour et qu'on ne pourrait peut-être pas faire passer si on était au premier degré, au sérieux. Alors, en tant que réalisateur expérimenté en Côte d'Ivoire, comment voyez-vous justement l'évolution du cinéma ivoirien ? Je vois que le cinéma, alors l'industrie audiovisuelle, on sépare cinéma et télévision. Parce qu'ici, on mélange toujours tout. Film, c'est film. Hein, acteur, c'est acteur, film, c'est film. Ce n'est pas la même chose. Nous, on fait des films de cinéma, c'est destiné justement à remplir les salles.
Et après, ça passe à la télévision. Donc, ce qui se développe énormément en Côte d'Ivoire, c'est la télévision et les séries. Et c'est un vivier extraordinaire avec des talents fous de réalisation, de comédiens, tout. Donc ça, c'est un vrai... On vit un moment d'euphorie presque. Je pense qu'il y a énormément... Il n'y a jamais eu autant de séries qui tournent en même temps. Par contre, les films de cinéma, pour le cinéma, il y a encore trop peu. Si c'est 2-3 par an, je ne sais pas, c'est pas plus que ça. Donc là, il y a encore un travail. Mais l'évolution, c'est qu'on commence à se rendre compte que si tu fais bien et si ça marche dans plusieurs pays, alors ça devient rentable. Avant, ça ne l'était pas. Alors, concernant justement la difficulté que vous avez évoquée, quelles sont justement les pistes de solutions qu'on pourrait avoir pour justement favoriser les films cinématographiques, les films de salle? Les films de salle, c'est qu'il faut augmenter la qualité de ce qu'on propose aux gens. C'est ça le secret. Il faut augmenter. On pêche, par exemple, on néglige la direction d'acteurs. Ou bien on va négliger les décors, on ne va pas mettre d'argent dans la post-production, c'est-à-dire que le son, vraiment, vous avez les salles de cinéma, ce n'est pas comme à la télé. À la télé, il n'y a qu'un endroit où le son sort, mais au cinéma, il y a 7 endroits où le son sort. Et donc, c'est un mixage qui est tout à fait différent. L'étalonnage, on a une image qui va faire 25 mètres carrés, ce n'est pas comme dans une télé. Donc, il faut que l'image soit parfaite, les couleurs soient parfaites. Donc, il y a des aspects de finition aussi qu'on doit ajouter à ce qu'on ferait pour la télévision. Il n'y a pas que ce genre de difficultés. Est-ce que vous voyez aussi d'autres difficultés dans le cinéma en général, africain ou ivoirien? Le cinéma francophone, évidemment, le problème qu'il a, c'est la visibilité, c'est-à-dire que les marchés sont encore très petits. Au Bénin, il n'y a qu'une seule salle, par exemple, en ce moment. Au Togo, il n'y en a qu'une aussi. Donc, comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose comme ça d'ampleur si on n'a pas encore assez de salles? Donc, c'est vraiment qu'on est dans ce process-là. De développement du cinéma et des salles. Et donc, c'est qu'il faut attirer les gens dans ces salles-là. C'est ça le secret. Ouais. 5 semaines, c'est le temps de réalisation de Marabout Chéri. Dites-nous, est-ce que c'est vrai que c'était réalisable et réalisé, mais dites-nous, est-ce que le temps n'était pas aussi court? Ou qu'est-ce qui a joué en votre faveur réellement? En notre faveur, c'est qu'on avait une équipe extraordinaire. Un beau casting et tout ça. D'abord, le casting, c'est très important. Quand des acteurs sont professionnels et qu'ils ne perdent pas de temps, ils connaissent leur texte et qu'on n'a pas à refaire 50 fois les prises, évidemment, on gagne beaucoup de temps. Et on a fait un casting, vous avez vu dans le film, vous verrez, il n'y a que des acteurs, il n'y a pas d'amateurs. Enfin, je veux dire que c'est tous des gens qui connaissent leur travail. Donc ça nous a permis de rester dans ce temps qui était quand même très bref. Alors pour certains, ils vont dire que c'est beaucoup, pour faire un film de 90 minutes à la télé, on met beaucoup moins de temps que ça. Mais évidemment, on ne peut pas aller aussi en profondeur, on ne peut pas aller aussi dans les détails. Donc 5 semaines, c'était juste, mais on a pu le faire grâce au professionnalisme, pas seulement des acteurs, mais surtout de l'équipe technique. Sans équipe technique, mais on ne fait rien du tout. Moi, je suis un capitaine de bateau, mais s'il n'y a pas d'équipage, je ne fais rien. Donc, on avait une équipe formidable, Aziz Diallo à la lumière, on avait des gens mais vraiment exceptionnels. Une équipe mixte, d'ailleurs, ivoirienne et avec des Burkinabés. C'est toujours dans l'esprit de ce qu'on développe en ce moment, de mutualiser nos cinémas. J'en avais déjà parlé ici. Je pense que l'avenir, en fait, vous parlez de solutions, l'avenir, c'est la mutualisation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille, qu'on fasse des coproductions internationales entre nos pays où nous sommes déjà proches et puis peut-être plus loin. Cette fois-ci, les Lascars, par exemple, les 3 Lascars qu'on avait faits, c'était Côte d'Ivoire-Burkina. Cette fois-ci, on a ajouté le Sénégal, avec la présence de Kader Gadji, qui est une méga star en ce moment au Sénégal. Et bien, ça a marché, ça fait un succès fou au Sénégal en ce moment. Donc, vous voyez, si on trouve comment intéresser les publics des différents pays, on va faire des films pour nous tous. Exactement. Et alors là, ça va marcher. Là, ça va être vraiment super. Alors, M. Luis Marquez, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès, vous et toute votre équipe? Non, on ne s'attendait pas à ce succès. On l'espérait peut-être, secrètement, dans le fond de nos cœurs. Mais on travaillait tellement dur pour dire qu'on va tout faire pour y arriver. Nous, notre limite, c'est le film précédent qu'on a fait, Les 3 Lascars, où on a fait 65 000 entrées un petit peu entre les différents pays. Ce qui paraît peu à l'échelle du cinéma international. Mais au niveau de nous, c'est énorme déjà, c'est beaucoup. Donc on espère faire aussi bien, et peut-être, qui sait, mieux. On vous dira ça à la fin, mais pour l'instant, ça en prend pas mal la route. Les salles sont vraiment sold out, jusqu'à toutes les séances, 18h, 20h, 21h. Donc si vous allez maintenant au Majestic, à Abidjan, il faut que vous achetiez pour demain ou après-demain. Voilà. Donc ça, pour nous, c'est la plus belle des récompenses. Et honnêtement, on ne s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien. On avait peur. Du coup, est-ce qu'on devrait s'attendre à Marabout Chéri 2? Peut-être. Ce n'est pas exclu. Ce n'est pas forcément prévu. Mais tout est ouvert, en fait. Vous savez, on a fini le film, on l'a livré à vous, au public, et on attend de voir votre réaction. Elle est super bonne, la réaction. Donc maintenant, on peut...
imaginer et se projeter plus loin. Mais avant d'avoir cette réaction, on a juste peur que ça ne marche pas, que les gens n'aiment pas, qu'ils ne s'accrochent pas. Et là, c'est tout l'inverse qui se passe. Donc peut-être, peut-être, on va y réfléchir sous cette forme-là ou peut-être sous une autre. Un mot de fin, monsieur Luis, pour vous terminer. Aller au cinéma. Aller au cinéma parce que de regarder un film dans une tablette ou de le regarder à la maison, ça n'a rien à voir. Avec le cinéma. Moi, je vais dans les salles en ce moment. Vous voyez les gens, comment les gens rient, quoi. Ça rit, ça crie, ça vit. C'est vraiment un moment de fête, quoi, dans la salle. Vraiment. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est aller au cinéma, aller voir le film au cinéma. Vous me direz après, vous direz à cette info si vous avez aimé ou pas, si on vous a menti ou pas. Mais honnêtement, allez au cinéma, aidez-nous à faire d'autres merveilleux films pour vous et qu'on en fasse plein d'autres. Si vous n'allez pas au cinéma, évidemment, le cinéma, il ne va pas se développer. Merci, M. Luis Marquez, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et vous également, chers téléspectateurs, n'hésitez pas à entrer dans l'univers délirant et satirique de Marabout Chéri, une comédie ivoirienne produite par Kadi Touré qui fait mouche en ce moment dans les salles de cinéma. Eh bien, humour, émotion et casting sont de qualité. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info.